pays. Ça veut dire ça, on a une caisse là, il n'est pas fini demain matin. Bon, nous avons garanti. Et les mauvaises habitudes, on la vie dure. Ça veut dire faut que dans l'État, même gens nous prenons décision pour mettre sous pied l'Agence nationale d'intelligence. Il faut nous commencer à suivre les vacabons dans le pays. Pour nous commencer à dire, on est bleu, l'argent gratté. C'est ça qui passe à la favelle pour nous mettre poids gratté. Ça veut dire pour la justice, je mets tout en côté. Parce que l'or est un cob là, c'est soit on fait business soit avec elle, ou bien on met l'on côté. Mon pas qu'à prendre pour déstabiliser le pays. L'argent déstabiliser le pays, ça c'est terroriste. Ça veut dire nous-mêmes, nous disons, dépend de l'or pour aller, nous veillons. Et chaque monde qui a un cob qui gratte, c'est dans la rue on met elle, nous privons sous. Nous privons sous quand même. Parce que aujourd'hui, nous commençons à suivre un pile bas dans le pays. Pour nous comprendre que aujourd'hui, sortez qu'on fait. En 2017, 2018, 2019, là, 2020, 2021, ou pas de café. Parce qu'on a suivi. Pour une fois qu'on ait que l'argent, on a si le gâteau. Cherchons gens, Albaïlino, Orphelina, Albaï Koboua, dans l'école, fait cadeau dans l'université privée. Mais si c'est dans l'arrière, ou pas le mettre, nous mettons l'autre côté. Pour comme ça, gâteau là, pour nous faire gâter contre tout bon. Merci un peu. Merci, Monsieur le Président. Ces travaux cadrent parfaitement bien avec la politique du gouvernement de doter le pays d'infrastructures hydrauliques modernes. C'est d'ailleurs l'un des chantiers prioritaires de mon quinquennat 2017-2022. Cette nouvelle infrastructure hydraulique qu'on inaugure aujourd'hui a une capacité de production de 8 500 000 gallons d'eau par jour et répond à un besoin exprimé depuis longtemps par les populations de ces zones précitées. Un grand pas a donc été fait, même si nous sommes encore très loin du besoin total de la zone métropolitaine évalué à 450 000 m3 d'eau par jour. La seule ombre au tableau ce matin est que ces eaux proviennent de forages de puits. Nous avons de nombreuses rivières intarissables un peu partout à travers le pays. Elles jettent dans la mer des milliards de mètres cubes d'eau annuellement. Elles occasionnent des inondations et causent d'énormes pertes en vie humaine et en biens. Pourtant, le pays rencontre de sérieux problèmes pour fournir l'eau potable aux populations. L'eau ne manque pas. C'est la gestion qu'on en fait qui est désastreuse. On a toujours tendance à considérer l'eau souterraine comme l'unique source exploitable pour la consommation humaine. On fait très peu cas des eaux de surface utilisées seulement pour l'irrigation des terres cultivables. Dans presque tous les pays du monde, je veux parler de nos voisins, plus près de nous, la République dominicaine, Cuba, des pays d'Afrique comme le Rwanda, pour ne citer que ces pays-là, utilisent depuis des décennies l'eau de surface pour la consommation humaine et industrielle. Malheureusement, nos bailleurs de fonds financent à coups de millions des études qui traitent de l'abondance des eaux de surface en Haïti. Le directeur général de la DINEPA vient de parler de l'étude des eaux que le gouvernement a fait à l'aube de mon mandat en 2017. Et nous avons identifié près de 26 rivières qui sont prêtes à prendre des systèmes de réservoirs. Malheureusement, une seule de ces rivières aujourd'hui a un réservoir dessus. Je veux parler de la rivière Marion, qui est en phase finale. Nous sommes à 96% de la fin des travaux pour inaugurer le barrage de Marion avec un réservoir d'une capacité de 10 millions de mètres cubes. Et ce réservoir va transiter près de 20 millions de mètres cubes par année sur 36 millions de mètres cubes que cette rivière a jeté dans le temps à la mer, et la zone de Malfetti était inondée chaque année. Aujourd'hui, la construction du barrage sur la rivière de Marion permet aux gens qui habitent à Malfetti de ne plus connaître ces moments difficiles. Ces gens-là vivent aujourd'hui tranquillement. Et comme je viens de vous dire, 26 rivières sont prêtes à accueillir des barrages d'irrigation à travers le pays. Malheureusement, nos bailleurs misent sur l'exploitation des eaux souterraines qui pourraient apporter des solutions durables aux problèmes de pénurie d'eau dans le pays. Mais nous savons pertinemment que c'est faux. Et le directeur général vient de le dire, parce que les nappes phréatiques ne peuvent en aucune façon apporter la solution aux problèmes d'eau potable que nous avons dans le pays. Le forage de puits doit se faire dans des zones dépourvues d'eau, d'eau de surface. Nous devons protéger les nappes phréatiques du pays. La gestion et la maîtrise de l'eau de surface sont d'une importance capitale pour le pays. Je pense que le ministre de la Planification qui est là aujourd'hui va demander une rencontre en urgence avec les bailleurs qui investissent dans ce domaine pour qu'en 2021, nous pouvons démarrer avec certains travaux sur certaines rivières du pays pour alimenter ces réservoirs à travers les différentes villes du pays pour que la DINEPA, comme le ministre des Travaux publics vient de le dire, puisse trouver l'eau pour mettre dans les robinets des gens. Prenons l'exemple de la grande zone métropolitaine. Pour alimenter cette grande zone, nous avons deux principales rivières qui jettent environ 400 millions de mètres cubes d'eau à la mer chaque année. Je veux parler de la rivière Grise qui jette à la mer environ 125 millions de mètres cubes d'eau par année, et de la rivière Momens qui jette à la mer environ 185 millions de mètres cubes d'eau à la mer chaque année. Et il faut savoir que pendant la saison pluvieuse, ces rivières provoquent de grandes inondations. Quand nous parlons de 450 000 mètres cubes par jour de besoin pour la zone métropolitaine, 50% de cette eau-là pourra facilement servir cette grande zone métropolitaine avec zéro forage. Et en termes de coût, pour construire ces réservoirs sur ces deux rivières, l'expérience que nous sommes en train de faire à Marion avec des techniciens cubains, le coût par mètre cube est de moins de 30 centimes américains par mètre cube. Cela veut dire construire un barrage d'irrigation aujourd'hui, si on fait ça en régie, comme nous sommes en train de le faire à Marion, ça va coûter environ, par exemple, les 10 millions de mètres cubes que nous sommes en train de construire, disons les 20 millions de mètres cubes qui vont être transités sur la rivière Marion, vont coûter moins de 10 millions de dollars. Et si on prend le coût normal, qui est près de 70 millions de dollars, nous pouvons facilement comparer que l'État haïtien doit prendre le destin de la nation en main. Nous devons être à même de construire des barrages d'irrigation nous-mêmes sur les rivières de nos pays. Haïti, c'est notre pays. Nous n'avons pas de pays de rechange. C'est nous qui devons travailler. Je veux parler des cadres supérieurs ici présents. Nous devons travailler, prendre notre courage à deux mains. Les décideurs publics, moi, votre serviteur à la tête de l'État aujourd'hui, je prêche par l'exemple. C'est pour ça aujourd'hui. Nous sommes en train de construire un barrage sur la rivière Marion avec réservoir. Nous sommes en train de construire un barrage sur la rivière Latanerie, je dirais, de reconstruire un barrage sur la rivière Latanerie avec un système de dérivation. Parce que comme vous le savez, la Grande-Rivière du Nord jette près de 241 millions de mètres cubes d'eau chaque année à la mer. Nous allons dévier une quantité d'eau sur la Grande Plaine du Nord pour irriguer les terres de la Grande Plaine du Nord. Pourquoi DINEPA n'utilise pas aussi cette eau de la Grande-Rivière du Nord? Le problème, c'est l'argent. Parce que les études sont là. Les techniciens cubains et les techniciens haïtiens, l'armée d'Haïti qui travaille avec nous à Marion, tous ces gens-là sont là. Et il nous faut maintenant l'accompagnement de ces bailleurs qui dépensent de l'argent, je dirais, un peu dans leur sens. Il faut dépenser de l'argent dans le sens de l'État haïtien, dans le sens du peuple haïtien. Au rythme désordonné où on creuse les puits, on n'est pas loin d'une pénurie d'eau au niveau des nappes phréatiques qui pourra se révéler fatale pour les générations à venir. Je suis particulièrement sensible à ce désastre annoncé. Voilà pourquoi, lors de ma campagne électorale, j'avais toujours insisté sur la gestion de l'eau en général et celle des eaux de surface en particulier. Je n'ai jamais cessé de répéter cette phrase que tout le monde avait retenue par cœur. Mes terres, soleil là, Gloyo et Mounio ensemble. C'est dans cette même logique que le gouvernement s'est engagé dans la construction de diverses structures et infrastructures dans le pays. Je viens de vous parler des barrages d'irrigation de Marion, sur la rivière de Marion, et de Latanerie. Nous sommes en train de travailler aussi pour la construction d'un système de dérivation de barrages sur la rivière Massac pour irriguer une partie de la plaine de Maribao. Des systèmes de pompage à énergie solaire sont installés un peu partout à travers le pays. Par exemple, sur la rivière, sur le fleuve des Trois-Rivières, dans le département du Nord-Ouest, plus de 4 systèmes sont déjà installés et nous sommes en train de travailler avec le financement de la République Chine-Taïwan pour installer d'autres systèmes parce qu'il y a une possibilité sur le fleuve des Trois-Rivières d'installer près de 34 systèmes d'irrigation et avec l'installation de ces systèmes, nous pouvons facilement aussi apporter de l'eau dans les foyers. Ce n'est pas un vœu pieux. Nous pouvons alimenter tout le pays. Toutes les communes d'Haïti, toutes les sections communales peuvent être alimentées par les rivières de ce pays. La volonté au plus haut niveau de l'État est là. Maintenant, il faut travailler avec les bailleurs pour changer cet aspect de la coopération. Parce que quand l'argent des contribuables étrangers sont en train de dépenser en Haïti, cet argent doit être dépensé dans le sens des dirigeants haïtiens. Parce que nous sommes... Nous sommes des gens, je veux parler du président de la République, des sénateurs, des députés, des maires, des CASEC, des ASEC, des délégués de ville. Nous sommes des gens votés par le peuple haïtien. Nous avons fait des promesses au peuple. Maintenant, quand un bailleur est en train de dépenser de l'argent au nom du peuple haïtien, ce bailleur doit comprendre qu'aujourd'hui, les élus du pays ont leur mot aussi à dire. Et je pense que le ministre de l'Environnement, de la Planification va travailler parce que nous sommes en 2021, mieux vaut tard que jamais, que la BID commence à comprendre, après avoir construit, nous donner la possibilité de construire toutes ces infrastructures hydrauliques. Maintenant, il nous reste une toute petite chose. C'est de commencer à construire des barrages sur les rivières. Et nous devons commencer avec le département de l'Ouest, la rivière Grise qui inonde régulièrement la zone de la Croix-des-Missions. Et pourquoi ne pas construire un réservoir sur la rivière Grise, un barrage, je dirais, d'irrigation sur la rivière Grise, qui pourra irriguer toute la plaine du Cul-de-sac, une bonne partie de la plaine du Cul-de-sac, protéger la zone de la Croix-des-Bouquets contre les inondations et donner de l'eau, alimenter ces réservoirs-là en eau potable pour que la population de la zone métropolitaine peut trouver de l'eau en quantité et en qualité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Haïtiens, frères Maxime, ça cap vivre dans quatre coins pays et ça cap vivre dans la diaspora. Gros système de distribution de ça, m'a inauguré matin, il est entré dans le cadre satisfaction gouvernement vle bay peuple là dans les affaires de l'eau pour le boire et pour l'utiliser la caille. Tout côté moi passé dans la zone métropolitaine dans tout dialogue que me fait avec les leaders communautaires, il y a un problème qui toujours posé ces affaires de l'eau. D'ailleurs, le ministère de la Publique dans ce deal là. C'est raison ça même qui fait moi toujours inviter le directeur général DINEPA pour le venir tendre doléance moun. J'aime toujours dire, il y a des services de l'État aux citoyens et qui entrent dans quatre besoins primaires de la population. C'est rôle l'État pour mettre bon de l'eau propre, bon de l'eau potable au service de la population. Moun pas gen droit marcher sur plusieurs kilomètres pour aller chercher un bouquet de l'eau. Tout le monde doit ouvrir la caillou pour rejoindre de l'eau. Ce n'est pas un problème de l'eau qui est. J'aime ce dire là, c'est mauvais choix. Je dis avant de faire bon choix. Chaque année, il y a plusieurs milliards de mètres de l'eau qui tombent dans la mer. Et notre travail pour nous faire ça qui est plus facile là, nous plonger tête baissée dans le four et puis dans tout le pays. Parfois, chaque monde qui a moyen fourré propre pipa. Comme ça, nous privons l'air, nous bloquons en bas de terre, nous prenons compte qu'il disparaît. Un peu le monde perd ça. Mais c'est ça pour nous commencer à dire pour nous prendre conscience. Et pour l'État prendre décision, et ces décisions, ça, je demande au ministre de l'Environnement, pour commencer à prendre dans les affaires fouillées, puis passer par là dans le pays, pour ça, pas continuer à faire comme ça. Nous avons trois de l'eau pour besoin. Moi, l'exemple est en Miragouane, qui sont de l'eau douce. Bon, un système de traitement qui est en Miragouane, zéro. Et pourtant, ville Miragouane, il y a un problème de l'eau. Et pourtant, il n'est pas dans ville Miragouane tout. Moi, quoi que je dis, il faut nous les bagailles, pas non. Yo. Pas de bain caché l'ombre encore. APT, c'est pour nous peser. Ce n'est pas que nous n'avons aucun problème avec les barrières de fonds. D'ailleurs, l'argent, nous avons besoin. Mais il faut comprendre, il faut dépenser dans le sens que nous voulons. Par exemple, zone Miragouane. Aujourd'hui, on a construit une centrale électrique dans Miragouane. Miragouane n'a pas de courant 24 sur 24. Même si tout l'autre côté dans le pays. Et de l'eau, qui est là pour venir? Et courant ça, nous avons profité de lui pour nous utiliser, pour nous monter un système directeur général d'INEPA ou bien ingénieur à la caillou. Nous sommes tendés à un ingénieur qui a parlé là. Félicitations pour lui. Il compte ça, il compte de qui il a parlé. Nous avons des jeunes qui sont bien formés. En nous commencer à mettre devant des stéréos. Même gens ça fait. Dans le niveau, l'armée qui est dans l'état, j'aime qu'à dire embryonnaire que nous commençons à, jeunes ingénieurs qui sont dans le corps du génie, jeunes soldats, ils ont tout à travailler. Ils ont fini Marion là, ils ont commencé à travailler dans la construction route pour des paix. L'homme mettez jeunesse haïtienne, ou mettez devant responsabilité, il n'y a pas fait bac, il n'y a pas de résultat. On commence à mettre devant responsabilité. Jeunes qui n'en dînent pas. Moun expérimenté qui n'en dînent pas, on commence à faire des projets pilotes avec eux. pour nous commencer bail frère nous exemple je voulais parler de coopération internationale là que là nous voulons bagaille nous qu'a commencer faire nous-mêmes prend des projets pilotes tant coup par exemple ville de Jérémie qui gagne de l'eau rivière Grand'anse cap jeté dans la mer et pourtant ville Jérémie sûrement d'où mon Jérémie là aujourd'hui est-ce qu'elle gagne de l'eau là caille les galères de tête pour le dos les gagne parfois et avec rivière Grand'anse mon Jérémie te gagne de l'eau à 24/24 parce que Jérémie gagne courant qu'on y a deuxièmement réservoir gagne temps construit sacré terre pas représenter 30%. Ça veut dire construire un système sous grande rivière Jérémie pour nous rendre l'eau potable, font ligne tuyau, mener dans le réservoir et puis vider descendre ba moun yo pour yo boire. C'est même gens lié dans tout pays a. Toute ville yo, il y a une rivière passer près yo. Ville Hinche, il y a deux rivières. L'eau a rentré Hinche ou passer sous rivière Enkit. L'eau a quitté Hinche ou va vers le nord ou jambé rivière Guaya monte. Et pourtant, mandé moun Hinche jodi a si yo gen de l'eau. Même gens dans Mibalais, rivière Gascoigne, rivière Latanerie, Fer à cheval, fleuve à Tibonite. Pour qui ça? Réflexion, ça nous t'est fait. Depuis 2017 là, là, et puis le noti voit. L'argent a dépensé. Personne. C'est un coup, nous dans situation, nous avons propre tête, nous avons l'ombrage, nous. Bataille ça aujourd'hui, moi pense que c'est bataille tout haïtien lié. Son bataille pour que bailleurs commencent à comprendre que aujourd'hui, pays a connaît ça le vle. Pays a comprendre dans le secteur de l'eau, assainissement, de l'eau potable et assainissement, pays a connaît ça le vle. Nous demandons gestion et maîtrise de l'eau surface. C'est ça qui n'est pas demandé. Et c'est ça. Et c'est ça, je dis, pour que la BID, l'agence espagnole, qui c'est deux plus gros bailleurs que nous gagnons, qui n'en dînent pas, c'est ça pour commencer par nous. Pendant ce temps-là, pour nous continuer à faire gros travail, ça, pour nous continuer à faire gros réservoir, ça, pour nous continuer à faire gros système pompage, ça, mais sous de l'eau, nous voulons coup de main la BID avec l'agence espagnole pour nous construire barrage en pays. Pour nous construire barrage, même avec barrage Marion, pour nous construire 26 l'autre barrage, disons 25 l'autre barrage, qui était dans plan ça. Moi, j'ai copié à n'en parler, son plan qui grossait ça. Tellement il y a techniciens haïtiens qui mettaient main dans plan ça. Sans pile page de documents. Et documents ça, moi, qu'on n'indigne pas, il y a copié à tout. Travaux publics, il y a un qui dit clairement, mais qui rivière, nous y a un pour nous faire barrage sur eux, qui pour permettre pour nous bailler peuple là, de l'eau pour le bois. Si nous avons commencé à citer ville qui y a une rivière qui passe de bon côté, nous n'avons pas fini, je dis. Ville au Caille, la ville du Sud, a jeté par le tomber dans la mer. Et pourtant, directeur à ce deal, sont plus que fouillés pour alimenter au Caille. Dans la zone sud, là, on suit plus de l'eau. N'a phréatique, zone sud, là même, il y a des côtés dans la plaine d'Obec, il y a une résurgence, avait dit, l'eau sortie en bataille, monter pour compte. Mais comment pour faire dans des zones comme ça? Pour n'a fouiller puis, pour ne pas de l'eau. Ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Et c'est pour ça que je dis, moi demande pour que tout le monde mette tête ensemble pour nous bilan ça que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire nous pouvons même river capable de produire 50% de l'eau nous besoin pour nous consommer dans la zone métropolitaine. Moi je dis que nous besoin 450 000 m3 d'eau par jour. Augmentation ça que nous faisons là, 32 000 m3 que l'ingénieur se dit, plus 16 000 m3 cafou, ça fait nous environ 50 000 m3. C'est ça que nous gagnons comme augmentation. Nous avons 130 000 plus 50 000, ça fait nous 180 000 m3. Là, on fait soustraction. Retirer 180 000 m3 dans 450 000 m3. Ou pour arrêter 270 000 m3 de besoin de l'eau pour la zone métropolitaine. C'est pour me dire, ministre, ce n'est pas demain matin que moun ou pral suspendre vos camions de l'eau pour moun kap viv nan Solino, j'en so di là. Parce que décision pour nous prendre, c'est qu'on y a pour nous prendre. Il faut comprendre, il faut reprendre ensemble avec nous pour que barrage sur rivière Grise là. Jean-Premier ministre a dit tout à l'heure, il dit que bon côté dans rivière Grise, deux mondes au contraire, ça veut dire barrage à tout fait tête. pour barrage à construire, pour nous protéger la commune d'Aba contre l'inondation, pour nous capables porter bon genre de l'eau pour user. Terre qui est dans la commune, Croix-des-Bouquets, commune Cité-Soleil, et pour nous capables de jouer de l'eau pour nous venir mettre dans le réservoir. Ce n'est pas que le travail, ça, nous avons besoin de changer. Il y a toujours le même genre. Ligne que le directeur général la Sodim qui construit, qui sortit presque 15 ou 16 km de ligne tuyau qui sortit dans le puits, qui sortit dans la zone Croix-des-Bouquets, nous ne pouvons pas changer. C'est net que son connexion a fait. Sortir avec de l'eau dans le réservoir, mettez-le dans le réservoir qui fait sous rivière pour le venir dans le même système, ça nous gagne. Mais qu'on y a, pas oublier, là nous avons un réservoir 2000 m3 qu'on s'est construit, ça veut dire qu'on a transité 10 fois, 20 fois, 15 fois, N fois de l'eau la donne. Ça dépend de comment on fait de l'eau à quitter. C'est pour me dire, nous, toute structure ça qui là, il a arrêté Jean-Royer servi et c'est sous de l'eau pour nous commencer à augmenter. Parce que je dis, nous avons un déficit de 270 000 m3 d'eau dans la zone métropolitaine. Et ce n'est pas la zone métropolitaine dans seulement qu'il y a un déficit ça, parce que tout pays est dans la même situation ça. C'est pour me dire nous que gestion, maîtrise de l'eau surface ça, n'est pas un jouet. Son obligation pour nous gérer et maîtriser de l'eau surface dans le pays. Là, nous te dit, nous te parlé de prérequis de développement de l'eau, route, courant. En pile monde. Parfois, on dit, de qui sa présidence a parlé? Mais l'on choisit pour mon pouvoir dans mon peuple, ou prendre pour venir faire qui ça? Pour venir jouer pouvoir de mon, à qui pouvoir faire mon, ou bien pour venir servir. Nous-mêmes, ou pas nous devant le peuple là. Nous passons 22 mois à dire le même bagala. Et c'est pour ça que je dis, depuis le jour où nous commençons pour arriver, jusqu'on y a, nous ne pouvons jamais suspendre le travail pour nous construire un réseau électrique, pour nous construire une route dans le pays, pour nous mettre de l'eau pour nous ouvrir le jardin, de l'eau pour nous boire. Nous avons fait route, nous avons construit une route à travers tout le pays. Il y a pile de paroles qui parlaient, même gars dit nous, ce n'est pas pendant mon président là, le pays a un problème de 6 000 km de route. Moi, je viens joindre avec le problème de 6 000 km. Et nous ne pas camper, garder, nous construire route. Actuellement, on route impossible que tout le monde, je ne parle pas la ministre hier soir, les îles ont 30 ans dans le ministère des Travaux publics, depuis l'entrée dans les Travaux publics, route pas de paix à fait. Là, je dis ministre, comment? Il dit oui, étude président. Étude, route ça qui est étudiée, route la fait doctorale, les non-niveaux, recherche qu'on y a le fin fort, et pourtant route la va jamais fait. Décision nous prenons aujourd'hui, avec mes ressources que l'État a gagné, nous construisons. Et je dis, mon nord-ouest, je suis fier pour me dire aujourd'hui que chaque la louve n'a pas potel, route Kafou, Jean-François Voulé, l'a construit. Et l'a construit parce que c'est ça mérité. C'est pour ça que nous prenons décision, et nous camper d'elle. Train de rappeler déjà pas gagné qu'à camper. Route l'a construit. L'a construit parce que nous-mêmes qui vivons dans l'arrière-pays, nous méritons ça. Moi, je connais, dans pile côté dans le pays. Par exemple, les gens qui vivent dans Sapit, dans Thiot, dans Grand Gosier, dans Bodari, le directeur général DINEPA a fait un système pour nous joindre de l'eau potable. Dans Belance, dans Côte de Fer, dans Bénin, nous connaissons souffrir pour route. Fond verrette, nous connaissons ça. Mais il ne faut pas oublier, ce n'est pas nous seul mandat que tout ça a fait. Et c'est pour ça que je demande au ministre des Travaux publics là. Si étude route ça a beaucoup fait, parce que seule route internationale qui beaucoup manger dans le pays, c'est route qui sortit en sapit là pour le fonds parisien. Je demande au ministre là, pour, si étude beaucoup fait, pour au moins pour nous étudier, parer pour le prochain président qui va venir. Même si nous faisons des complots à ministre, complot positif ça, dans route Kafou, Jean-François Voulé, chaque connaît, Maria était là, ou a quitté, ou a dit, prochain ministre qui a venu prendre job là dans mon premier ministre, ou a dit, mais qui s'est fait pour route Kafou, Jean-François Voulé, yo même, il a passé par même petite façon pour nous, si route Kafou sorti, fond parisien, pour aller en sapit, en passant par Soliette, nous mêler, font verrette, font des pains, tuyaux, bananes pour y vendre sa pite. L'on se tuyaux pour nous y vendre Bellos, nous passer Mapou, nous passer Grand Gosier pour nous y vendre Bellos. Nous sommes belles lances pour aller Marigo. Nous passons par Péredo, Outsayo. Nous devons faire. Parce que c'est les gens qui vivent dans la zone, c'est même avec nous. Les gens dans le sud, les gens Tibiron qui attendent. Je te dis, 36 km qui saute pot à piment pour arriver à Tibiron. Bonne nouvelle que le ministre Lambon hier soir, les îles pont sur rivière les Anglais. Dossier à récit finalisé. L'ENA, Commission nationale marché public. Moun, les Anglais nous songent dans la campagne, même traversé rivière. À pied, nous avons toussé pantalon. Depuis monter ma gourmet pour penser à fait. Je dis une bonne nouvelle ça. M'a demandé CNMP pour le connaître tout moun kap travaille dans CNMP au cadre que moun kap vive dans les Anglais, dans Tibiron, dans la Kawan yo. Y a tant de bon dans mes CNMP parce que pour pas dans nous encore qu'on y a dans mes CNMP. Dégage au CNMP pour bailler moun les Anglais, moun la Kawan, moun Tibiron pour ça parce que c'est moun yo moun kap vive dans zone ça. 36 km route ça. Je connais que la difficile problème pays loc. J'affaire retirer port corps mettez pam mettez nous dans situation l'homme dans le sud. Nous avons construit route ça même j'ai avec route Saint-Jean du Sud pour aller à Bakou, route moun k'ap viv domoyo. Toute route ça était dans programme non mais pays loc du fait ville ka lever le point du fond jour m'a konn kote du fait jodi. Équipement, nous sommes obligés d'en veiller. Équipement boulé, dans 160 millions $, équipement acheté, il y a environ 8 millions $, équipement qui boulé. Qui boulé parce que il y a des gens qui ont un goût à l'autre. Moi-même, je dis nous, ça, chaque monde qui est dans la politique dans le pays, surtout frère Maxime qui est dans l'opposition, Roche là, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre. Quand Roche me prend, je ne peux pas lever Roche, je quitte la terre. Je ne peux pas là pour me voir Roche, je ne peux pas jamais faire ça. Parce que je connais que cette mafia criminelle d'État qui monte dans le pays ça pour monter nous l'un contre l'autre, qui fait nous tuer des salines dans la mafia ça aujourd'hui, moi-même m'en fasse. Et m'en même de vous venir en face. Parce que c'est lui-même qui empêche le pays à gagner courant. C'est lui qui empêche le gain route. C'est lui-même qui empêche le gain de l'eau pour moun boire. C'est lui qui empêche le gain l'école construite dans toute section communale du pays. C'est lui qui empêche le gain centre de santé, l'hôpital construit à travers tout le pays. C'est lui qui empêche le reboisement fait dans le monde. 77% pays c'est monde. Et pourtant, nous avons déboisé, nous n'avons jamais réfléchi, même Jean-Jodi, nous-mêmes nous faisons. Nous construisons 500 germoplaces dans le pays. Il y a 4 qui inaugurent déjà. Je prends nouvelle ministre environnement, dis-moi, 100 germoplaces dans le Nord apparaît pour inaugurer. Chaque 100 ça qui doit produire 4 500 000 pieds bois chaque année. Ça veut dire qu'on prend 5. On multiplie le pas 4,5 millions, les 22 500 000 pieds bois qui a produit pour planter dans le monde. Et je crois qu'on décret qui prend pour que l'obligation faite à tout le monde qui parle de l'école pour obliger à planter pieds bois. Ça, c'est yo pour nous faire. Nous-mêmes qui sommes en politique aujourd'hui, nous connaissons un pile dans nous. Nous peut-être parfois avons des positions qui radicales. Mais m'a dit nous position radicale pour nous, c'est position peuple là. Je dis est-ce que ça c'est pas au même peuple a besoin. Est-ce que pas besoin de méga pépinière même gens ça construit dans Mafran, dans Campérin, dans Fond des Nègres, dans Aubert, dans Port-de-Paix, dans Grand Pré dans Nord, est-ce que c'est pas ça peuple a besoin. Même gens route à construire pour sortir ça pour sortir Cafoujov pour aller ça foule, est-ce que c'est pas ça peuple a besoin. Même gens mon chien je dis a craser moun Bédoyenne qui était qu'on mourit dans mon ça jodi a mon chien il commence méconnaissable dans bon sens là ça veut dire mon chien béton a coulé sur lui pour connecter la commune de Bédoyenne à la commune de Bombadopolis projet que nous avons pour nous connecter les 4 communes du bas nord-ouest. Je vais parler de Bédoyenne, Bombadopolis, Mold Saint-Nicolas et Jean-Rabel. Route 4 construite Kounia pour nous connecter la commune Jean-Rabel avec la commune Mold Saint-Nicolas en passant par bord de mer de Jean-Rabel. Est-ce que ce n'est pas ça peuple a besoin. Centrale électrique que nous allons installer dans Saint-Raphaël, renforcement centrale électrique dans Chevry, dans Fort-Liberté, qui va le faire, Jean Dédil, dans le premier trimestre année ça. Renforcement centrale électrique dans Jacmel, qui commence là. Je crois que d'ici week-end ça, ou bien week-end prochain, Jacmel a passé à 24 heures sur 24. Je vais parler de commune Jacmel, Ka Jacmel et Marigo. Ça yo. Est-ce que ce n'est pas le même pays a besoin? Mon Jérémie, qui te connaît à faire lumière 3 fois par année, les fêtes décembre, les fêtes patronales, on ne voulait parler de fêtes Saint-Louis, avec les gros chefs qui viennent Jérémie. Je dis à Jérémie qu'il y a 18 heures dans le courant par jour, Jérémie pour aller passer à 24 sur 24 parce que mes nouvelles transformateurs arrivent. Vieux caille, je dis, nous avons pris une décision en décembre 2019, nous avons porté 5,4 MW au caille, nous allons augmenter, nous allons mettre près de 8 MW je crois au caille pour nous passer au caille. Maniche, Campérin, Torbec, Saint-Jean du Sud, Aniquet, Chantal, Port-Salut, Cavaillon et Saint-Louis du Sud pour nous passer à 24 sur 24. C'est pour réveiller. C'est réalité. Pour qui ça? C'est parce que son pouvoir que mon peuple qui était moi, moi décide de goumer avec mon goumé, moi décide de pas goumer avec mon que m'a doué goumé. Ou même qui est dans la politique, mais pas qu'à goumer c'est dans la démocratie. C'est droit. C'est droit pour venir, pour capable demander des bagages qu'on veut pour le peuple là. Mais ce n'est pas droit pour caser le pays. Ce n'est pas droit pour bouler le pays. C'est droit pour venir camper bon côté pour nous goumer contre l'oligarchie pourrie ça. Contre des gens qui comprennent que Haïti c'est pour eux. C'est droit ça. Et c'est avec eux que je goumé. Je ne vais pas goumer contre eux. Parce que ou même ou sont victimes, même j'appelle ça. Ça veut dire, je dis, nous prenons décision pour nous casser tout ça qui compte la population. Et nous prenons, c'est là nous aller. Personne pas qu'à empêcher nous. Parce que le peuple là, c'est le bon pouvoir. Et le bon pouvoir pour nous faire. Je répète, chaque monde qui connaît qu'on combat l'étape dans mon, pas quitter c'est moi qui viens chercher. Parce que dans la dernière année, je viens chercher le trailer. Portez le bon moi. Portez le bon moi sage. Portez le bon moi parce que le pas pour vous. Le pas pour vous, on met lui. Mettre lui, c'est le peuple haïtien. C'est les gens qui vivent dans l'arrière-pays qui n'ont personne qui peut défendre. Les gens qui vivent dans le Jean-Rabel, les gens qui vivent dans Grand Gosier, les gens qui vivent dans Belance, dans Bénin, dans Jacmel, les gens qui sont haïtiens même avec nous. Les gens qui vivent dans Valier, dans Montbain-Cochu, les gens qui vivent dans Capoti, les gens Sylvestre, les gens Guadeloupe, les gens qui vivent dans Cul-de-sac samedi, c'est les gens même avec nous. Nous ne pouvons pas oublier. Nous ne pouvons pas droit à abandonner parce que si nous avons besoin de construire un pays meilleur pour Haïtiens qui viennent, c'est aujourd'hui pour nous commencer. Et pour nous commencer, il faut des gens qui ont courage qui dans notre pays. Des gens qui ne viennent persécuter personne. Des gens qui viennent persécuter sous-développement misère. Des gens qui viennent dire que leur fouille mais dans le coup de paix éternel ou bien dans le coup de Zaka, c'est pour couper. Parce que le coup de peuple, l'argent peuple, c'est pour respecter ça. Ou bien on doit fouiller maintenant. Et c'est pour ça, je profite de l'occasion pour me dire tout le monde. Les affaires, le dialogue là, il permanent. Nous ne pouvons jamais suspendre par la fouet, nous, qui sommes dans l'opposition politique. Et le dialogue là, c'est pour le fond. Je dis à nous, nos dialogues de bois. Nos dialogues de sourds, je dirais. C'est pour nous identifier vrai l'ennemi, nous. L'ennemi peuple, c'est l'ennemi pao. Pour qu'ils soient campés, pour quitter des gens qui ont fait mentir depuis 10 ans, qui ont enterré nous, qui ont tué. Président, qui exilé président, qui emprisonné président, qui assassiné président, qui lâché président. Et puis, moun sa yo, c'est aujourd'hui qu'on a couru toujours. Moment arrivé pour que voile ça tombe dans le pays. Pour qui ça qu'on fait 4 ans pour persécuter? C'est la première fois que ça arrive dans le pays. Quand on arrive président, on laisse les persécuter, moun, c'est moun qui persécuté. Je ne suis pas sous persécuter personne. Parce que je ne persécute la misère. Je ne persécute sous développement. Je dis à femme Dieu, c'est pour nous faire chaîne de solidarité pour nous retirer le pays à nos alliés. C'est pour nous faire chaîne de solidarité pour payer à l'autre constitution. Pour Haïtiens qui vivent dans la diaspora, qui sont riches, qui viennent investir dans le pays. Ou à venir dire Haïti qui est en sécurité, ils ne peuvent pas venir. Et ou même, quand on va faire millions pour là. Ou à planifier une sécurité pour faire au peuple pour ne pas tourner. Mais la diaspora comprend. Nous voyons qui ça a été fait dans le mois de décembre. Yo prêche nous par l'exemple. C'est grave vieux de m'obliger à mettre pour diaspora venir dans le pays. Pas de jeunes qui parlent de développement pays sans diaspora haïtienne. Et là, pays en Afrique, qui ça c'est diaspora. Ça veut dire, le monde parti, il y a le travail, il y a l'étudier. C'est pour nous qu'on ait fait une nouvelle porte pour tourner. Le culte de la médiocrité, c'est pour nous suspendre ça dans le pays, pour nous remplacer par le culte de l'excellence. C'est ça pour nous faire. Ça veut dire que les gens qui sont plus forts, les gens qui sont plus capables, c'est pour nous positionner dans le pays, pour travailler, pour investir, pour nous capables de quitter un pays meilleur pour les générations qui viennent. Moi-même, moi, quoi? Je crois que me dit nous, matin, en pile vérité, frère Maxime qui est dans l'opposition, moment arrivé, le peuple a compris toute bagaille. Pas occupé, non. Le peuple a déboulé le pays, même dit nous, ça, c'est pas nous-mêmes dans l'opposition qui te fait le bouler. Moun servent avec nous. Yo fait nous faire peuple à bouler le pays. Jodia, moun kap servent avec nous. Yo, c'est pour nous faire suspendre parce que le peuple a lui-même quitté ça déjà. Le peuple n'a pas travaillé comme ça encore. Il n'a pas fait pour le pays. Je dis, il a construit. Je dis, nous venons regarder bel système ça pour lui. C'est l'argent. Parce que le contribuable international, il a l'argent. Pour bel bail qu'on s'est construit, c'est pour le peuple là. Le peuple a bouqué. Ou même je dis que il y a des gens qui ont chauffé tête tout. Pour mentir, pour prendre la rue. Pour venir dans sac passé, dans voie roche, dans boule caoutchouc, pour la police n'a arrêté, ressaisit. Parce que l'on dans prison, c'est pour qu'on doit aller. Moun qui prend gros cob là qui va au timonner, l'argent dans poche. Ressaisit parce que aujourd'hui, son pays nous vient pour nous construire. Son pays nous vient pour nous mettre lumière là-dedans. Son pays nous vient pour nous mettre de l'eau pour nous boire, de l'eau pour nous user jardin, de l'eau pour nous faire industrie. Son pays nous vient pour nous construire route là-dedans. Son pays nous vient pour nous construire campus universitaire dans la région. Son pays nous vient pour nous construire lycée d'excellence. Même gens, ça va le faire. Non, non, premier lycée d'excellence, songez, c'est ça que je me dis dans la campagne. Je me dis, c'est pas possible pour un petit monde. Là, il finit la 6e année. Là, fait moi 9 l'école et puis son code cabrit qui nous mène. Jodi, avec Taïwan, que publiquement nous remercier, nous joignons, nous montons un programme avec eux pour 28 millions de dollars pour nous construire le premier lycée d'excellence dans le pays, pour que les gens qui sont capables, les gens sud-ouest, pour ne pas quitter dans la rue encore, pour nous jouer nos côtés pour entrer. Et capacité lycée, ça, la bien capacité pour prendre 750 petits gens. Et nos concours pour prendre les gens qui sont meilleurs. Et le lycée, ça, son lycée complet, là-dedans de 28 millions de dollars, ça veut dire la bien. Là, il y a internat, tout le monde est là, il y a manger, il y a dormir, il y a un côté pour faire sport. Il y a élèves qui quittent le lycée, c'est pour parler plusieurs langues couramment pour aller à l'université. C'est ça. Si nous voulons construire une société dans 20 ans, dans 30 ans, c'est qu'on y a pour nous commencer à prendre les gens en charge. Et c'est ce que je dis dans la campagne électorale. Je ne peux pas construire plusieurs, mais ça, non, nous avons commencé. Et nous te dit, même si nous pas de cap bien, on lycée comme ça dans chaque département, mais au moins, il y en a un grand nord, il y en a un grand sud, il y en a un grand ouest. Nous avons 3 gros lycées comme ça, pour que les meilleures têtes de ce pays, nous ne pas regarder dans la rue, avec un toile nommé au cap sur les machines. Parce que il n'y a pas de moyen pour faire éducation. C'est rôle l'État, ça. Rôle l'État, c'est accompagner les gens qui sont plus faibles. Et c'est pour ça, la bataille que je mène, c'est difficile aujourd'hui. Ou cap pour comprendre. Mais, je garantis ou même qui appelé à diriger le pays, suspendre combattre moins. Parce que nous combattons l'autre trop. Nous n'avons pas besoin de bataillon contre l'autre. Nous bataillons pour l'autre. Pour nous avoir une génération qui va venir. Si à profiter de ça que nous baillons. Suspendre dans faire mentir. Faut nous travailler pour que plus à bougeonner dans le pays. Pour qui ça l'on monte président chaque jour. C'est pour qu'on complot qu'a fait pour jeter le comme président. Ça veut dire. Mon nom monte quitter le fait 5 ans président. Ou même qu'on y a la élection tout. Ou vient nous faire 5 ans tout. Moi même wall pam prochain président m'a besoin qu'on quitte quand l'a sorti. Wall pam jodi a expérience m'a faire, c'est pour tel bali, accompagner le pour le qu'a font bon 5 ans. Pour me montrer toute piège me devant la donne pour le pas prendre la donne. C'est ça lié. C'est wall power soit fait politique ou pas là pour combattre l'autre monde qui fait politique. Politique, il est là pour servir le monde, il est là pour travailler pour bien-être population. C'est pour ça choisir pour faire politique. Ou pas qu'à choisir pour faire politique, ni pour venir riche, ni pour faire mon venir riche. Ou là pour faire politique, pour travailler pour le bien-être collectif. Et c'est pour ça qu'on travaille. Me dit tout frère sœur qui est en opposition, ressaisissez-nous. Parce que monsieur ça côté Oshita il y a bon divin. Il y a bon cop bon nous. Nèg yo la vie garanti pour 100 ans. Parce que yo gagne 200 ans depuis à pied pays. Ça veut dire que ça, il y a une caisse là, il n'est pas plus.